Né à Nazareth, le vénérable Simon Srouji a consacré sa vie à l'amour de son prochain en incarnant la spiritualité du laïc salésien. Il y a beaucoup d'endroits à visiter dans la petite ville de Ramla. Dissimulée aux regards extérieurs, la piscine des Arches offre un rare témoignage des techniques architecturales des Abbassides. La nécessité de numériser un patrimoine photographique nous a permis de constater l'immense activité archéologique du Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem. Le professeur Kustandi Chomali est l'un des auteurs palestiniens les plus novateurs dans le domaine de la culture et de la littérature et l'un des premiers à se mettre au service des étudiants de l'Université de Bethléem. Le design palestinien adhère à la technologie numérique et allie tradition et précision des temps modernes. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? Dit l'un des versets bibliques de l'évangile de Jean. Les faits ont montré que oui. Le Messie était un Nazaréen. La Sainte Famille vivait dans cette petite ville de Galilée. Mais pas seulement. Il y a un peu plus de 140 ans, un certain Simon Srouji naquit à Nazareth. Catholique de rite grec melkite et maronite, il fut baptisé et confirmé dans la chapelle qui est sur le lieu de la synagogue de l'époque de Jésus, près de la basilique de l'Annonciation. Non loin de là se trouvent les ruines de la maison où il vivait avec sa famille. Il a perdu très vite ses parents et à 11 ans a été emmené à Bethléem, à l'orphelinat dirigé par le père Antonio Belloni, fondateur des Frères de la Sainte Famille, œuvre qui s'est ensuite unie aux Salésiens. Nous avons visité ce lieu où, en plus de respirer l'atmosphère du charisme fondé par Don Bosco, nous avons connu des détails de l'histoire de cet homme qui a vécu la sainteté dans la vie quotidienne. Qui che cosa aveva appreso? Soprattutto la devozione al Sacro Cuore. Qu'a-t-il appris ici? Surtout la dévotion au Sacré-Cœur, à Saint-Joseph et à Notre-Dame, car la congrégation du père Belloni s'intitulait « Les Frères de la Sainte Famille ». Et c'était ce dont un jeune orphelin très sensible, très diligent et attentionné avait besoin. Il y apprend les trois métiers de boulanger, tailleur et infirmier. Imparò tre mestieri, il fornaio, il sarto e l'infermiere. Chaque jour, Srouji parcourait ses rues pour se rendre à la grotte de la Nativité, où il priait avec les autres orphelins pour les bienfaiteurs salésiens. Et il découvrit un grand trésor. Là, tout naturellement, Simon fut pris d'un grand amour pour l'enfant Jésus. Le voir si petit, si humble, inspira certainement sa spiritualité, caractérisée par une grande humilité, une grande simplicité et pauvreté. Si Dieu s'est fait pauvre, si humble, souffrant, s'il a dû faire face à l'exil en Égypte, je dois l'imiter dans ses vertus. Devo imitarlo in queste sue virtù. Don Gianni nous dit que Srouji s'était immédiatement distingué par sa piété et sa bonté, et qu'il avait été admis en 1892 comme aspirant salésien à l'école d'agriculture de Beit Jamal, l'antique campagne de Gamaliel. Il vivait dans un contexte social complexe, marqué par les guerres, la pauvreté et les maladies telles que le paludisme. Un parcours tortueux dans lequel se sont présentées beaucoup d'occasions d'aider les plus démunis. Son charisme salésien était un charisme de service, avant tout pour les enfants et les orphelins, puis pour les pauvres, en particulier pour ceux qui recherchaient véritablement en lui l'homme de Dieu, qui savait non seulement consoler, donner des médicaments, mais surtout donner un mot de confiance et d'espoir. Les gens disaient, dans ses mains se trouve la force, la grâce de Dieu, alors quand nous lui confions nos patients, nous sommes sûrs qu'ils vont guérir. Et les actions de ce bon samaritain des temps modernes ne s'appliquaient pas uniquement aux chrétiens. Je me souviens très bien d'un vieil élève de Beit Jamal, un musulman qui, lorsqu'on parlait de lui, commençait immédiatement à pleurer, car il se souvenait des beaux moments de cet homme
qui faisait preuve d'une grande simplicité, présentant indirectement une image de Dieu et de Jésus par sa bonté et son service. Il est mort en 1943, mais sa mémoire est restée vivante à tel point qu'en 1966, il a été déclaré serviteur de Dieu et 50 ans après sa mort, il a été déclaré vénérable par le pape Jean-Paul II. Nous avons pu voir des objets qui lui appartenaient, tels que de petits cahiers qui conservent sa calligraphie exacte et des livres de prières et de méditation en arabe et en italien qui révèlent les traits de sa spiritualité. Il est maintenant en attente d'être béatifié. Pour cela, la preuve d'un miracle est nécessaire. Que quiconque sente en lui-même qu'il a besoin de sa présence, de son intercession, l'invoque, parce qu'il s'est tout entier donné aux autres et qui comprend par conséquent les besoins, mais aussi les préoccupations de nombreuses personnes qui vivent dans la pauvreté ou la maladie. Il y a un endroit en Terre Sainte où pendant des siècles se sont arrêtés la majorité des pèlerins une fois débarqués au port de Jaffa. Ramla, de l'arabe « sable ». C'est la seule ville fondée par les musulmans après la conquête du calife Suleyman en 716. Ramla est la première ville construite par les musulmans au 7e siècle pour offrir l'hospitalité aux pèlerins sur la route reliant Jaffa à Jérusalem et entre le Caire et Damas. La famille qui a construit la ville est la même que celle qui a construit la mosquée du Dôme Doré et celle d'Al-Aqsa à Jérusalem. Au centre de la ville, dissimulée aux regards extérieurs, se trouve la piscine des Arches, qui, malgré ses 1300 ans et les graves tremblements de terre qui ont détruit Ramla entre 1033 et 1087, offre un rare témoignage des qualités architecturales et techniques de l'époque des Abbassides. On y accède par une série d'escaliers et les visiteurs ont la possibilité de naviguer sur les eaux en bateau. 15 colonnes émergent à l'appui d'une voûte transversale, la plus ancienne du genre. À Ramla, 5 citernes comme celle-ci ont été construites. C'est la seule qui soit ouverte au public. Et comme vous pouvez le voir, son étendue est de 20 mètres sur 20. Les croisés ont attribué à tort à l'impératrice Hélène la construction de cette citerne, qui est en fait l'œuvre du calife Er-Rachid, celui des 1001 nuits. Elle était destinée à fournir un approvisionnement constant en eau. La reine Hélène, mère de Constantin, était byzantine et la ville n'existait pas à ce moment-là. En fait, elle a été construite pendant la domination musulmane, donc ce n'est pas possible, même si elle s'appelle le bassin d'Hélène. Elle est également connue en arabe comme Birkat al-Anazia, c'est-à-dire le bassin des chèvres, probablement parce que les animaux venaient s'y abreuver. De la piscine des Arches à la grande mosquée, en passant par le marché coloré et la petite paroisse franciscaine dédiée à Saint Nicodème, Ramla a attiré et fasciné pendant des siècles. En Terre Sainte, l'Ancien et le Nouveau Testament prennent corps et s'entrecroisent, racontant ainsi l'histoire du salut de l'homme. La mission archéologique franciscaine a donné une nouvelle vie à une page de l'histoire qui est à l'origine du christianisme. Au fil des siècles, de nombreux archéologues ont consacré leur vie à mettre en lumière les lieux que nous pouvons visiter aujourd'hui, du père Pic Cirillo au père Bellarmino Bagatti, en passant par le père Virgilio Corbo, le père Pietro Casvalder, le père Stanislao Lofreda. Pour tous, l'archéologie est devenue une seconde vocation. Sites archéologiques, fouilles, objets ou fragments, mais aussi fragments de la vie quotidienne, se trouvent parmi les innombrables films négatifs, cartes postales, photographies en noir et blanc. Tout est resté stable dans le temps pour témoigner de l'immense activité archéologique du Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem. Padre Pic Cirillo m'a donné la confiance nécessaire pour travailler numériquement. Chaque fois que je venais ici, il me remplissait le sac de films et j'ai fait les 10 000 premières pages numérisées en Italie. Il est mort, tout s'est arrêté et j'en étais malade, à la fois pour la mort du père Pic Cirillo, mais aussi parce que tout s'était bloqué.
d'où la nécessité de numériser. Cela a commencé en 2012 pour sauvegarder un patrimoine photographique qui autrement se serait perdu avec le temps. Un mese o due mesi all'anno siamo venuti. Nous venions un mois ou deux par an et nous sommes arrivés à numériser plus de 130 000 images. Nous pensions avoir fini, mais nous avons trouvé d'autres films appartenant au père Bagatti, à Loffreda, au père Corbeau et à Pixérillo lui-même, et des milliers d'autres dont nous ne savons pas de qui elles sont. Lo stesso padre Pixérillo e alcuni altri non sappiamo di chi sono. Dedicarmi un po' al lavoro che stava per iniziare. Je me suis intéressé d'un peu plus près au travail sur le point de commencer sur le Mont Nebo avec le père Michel Pixérillo. On m'a demandé si je pouvais aider. J'ai participé à la construction des fondations, des bases de la nouvelle basilique. À l'occasion de la visite de Benoît XVI en 2009, ils m'ont demandé de les aider à nouveau et j'ai fait un escalier pour Benoît XVI qui est toujours là-bas. Il y a 5-6 ans, le père Pio a commencé la numérisation des diapositives. J'ai commencé avec lui. Nous sommes ici depuis plus de 5 ans. Doveva iniziare questo lavoro di la digitalizzazione delle diapositive e di padre Pio, io sono sempre disponibile. E allora ho iniziato insieme a lui. E siamo qui da 5 anni e più. L'ancien président de la République italienne Carlo Azeglio Ciampi a écrit au père Pixérillo. Je me réjouis de la vision qui inspire les recherches archéologiques de la mission. En redécouvrant le passé, les franciscains de Terre Sainte aident les dirigeants à bâtir un avenir de paix. Je le fais pour le père Pixérillo. Je lui dédie ce travail qui est une belle chose. À lui et à la custodie, car ses œuvres sont maintenant sauvegardées. L'émotion est différente. Lui est franciscain, moi je suis volontaire. Je suis un volontaire qui aime la Terre Sainte. J'y tiens, car se consacrer à Jérusalem est important. Je suis né à Beit Sahour en 1946 dans cette maison, après le déménagement de la famille depuis la région de Siyar. Cette maison a été construite en 1898. La famille du professeur Chomali a dû émigrer en Jordanie après 1948 en raison de l'instabilité politique. Une fois de retour, il a pu terminer ses études secondaires et a poursuivi ses études à l'étranger jusqu'à l'obtention de son doctorat à l'Université de la Sorbonne en France. Je me suis concentré en particulier sur l'étude du patrimoine culturel et littéraire des habitants de cette région. J'ai documenté l'histoire des journaux palestiniens publiés du début du XXe siècle jusqu'en 1948. La presse palestinienne s'est largement distinguée par les pionniers chrétiens de cette région et ses journaux ont démontré l'héritage culturel des Palestiniens. Chomali est un écrivain qui a effectivement contribué au mouvement de critique littéraire en Palestine. 28 ouvrages sont consacrés à la culture, à la littérature et au patrimoine, sans parler des travaux académiques menés dans les universités de Bethléem. L'université de Bethléem a été fondée en 1973 et le nombre d'étudiants au début était très petit, pas plus de 300 étudiants. Je suis ici depuis près de 40 ans et je suis passé par toutes les phases du développement de cette université. L'émigration des chrétiens de Terre Sainte est une des questions qui continue de susciter l'intérêt du professeur, en raison surtout de son augmentation remarquable ces dernières décennies. Le Vatican, en collaboration avec la fondation lassalienne des Frères des écoles chrétiennes, a créé l'université pour mettre un terme à l'émigration des chrétiens de Terre Sainte. De nombreux étudiants de Bethléem et d'autres villes palestiniennes sont partis étudier à l'étranger,
et certains d'entre eux ne sont pas revenus. من أجل المحافظة على الوجود المسيحي في الأرض المقدسة تم تأسيس هذه الجامعة. 40 années qui n'ont pas affecté sa créativité et son travail pour l'université. Son œuvre est appréciée de ses élèves, à qui il a encore beaucoup à enseigner. La designer palestinienne Nathalie Tahan a créé un style innovateur dans la mode en utilisant la technologie numérique. L'idée a pris forme après qu'elle ait étudié la mode à Londres et choisi de se spécialiser dans l'affinement des caractéristiques des vêtements traditionnels de la Palestine. Elle leur a apporté une touche de modernité pour les adapter aux besoins des marchés locaux et étrangers. J'étudiais à l'université de Londres, spécialisée dans la couture féminine. Je voulais broder de manière moderne. J'ai commencé des recherches sur l'origine de la broderie et j'ai appris que c'était une forme d'expression. Chaque région, chaque village de toute la Palestine est connu pour ses caractéristiques typiques. Finalement, j'ai décidé de me concentrer sur 5 régions. Gaza, Hébron, Jaffa, Jérusalem et Ramallah. La styliste a effectué plusieurs recherches et études qui caractérisent les vêtements palestiniens dans les zones urbaines et rurales. La production de cette œuvre passe par différentes étapes, de la production numérique à la coloration, en passant par l'impression sur la robe elle-même. Parmi les principales caractéristiques de mon travail, il y a le fait de pouvoir introduire plus de couleurs dans le tissu, car j'utilise des supports numériques qui produisent des spectres lumineux. À travers différents modèles, Nathalie contribue à la production de copies modernes de modèles originaux liés aux vêtements palestiniens. Sa production est appréciée dans le monde arabe. Chaque pièce est étiquetée avec un significatif « Made in Jérusalem ». Cela vaut la peine de remarquer que la broderie est un travail très ancien, pratiqué au cours des siècles précédents. Elle demande beaucoup de temps et d'efforts et est toujours une expression de l'identité culturelle d'un peuple.